a-t-il un but? La vie. C'est une grande question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'il y a un but dans la vie? Je pense que... Non. Quand tu te lèves, juste émerveillé parce que il y a de la lumière, il y a du soleil, toutes les oiseaux voltigent, les nuages et le ciel a une grande beauté. Ça, c'est une merveille. On cherche un but. On cherche un but. On cherche quelque chose. On cherche, ça veut dire quoi? On veut savoir. Et en voulant savoir, ben, on ne voit plus la beauté. On ne voit plus l'oiseau qui prend son envol et l'émerveillement qu'il y a devant toute cette immense beauté. Parce que à chaque fois qu'on veut savoir, nous sommes dans le questionnement, dans le doute, dans la peur. C'est pas qu'il faut savoir. Je crois qu'il faut vivre. Il faut vivre ce qu'il y a. Juste vivre. Vivre l'instant où tout s'émerveille, tout se déploie pour toi. Et accepter tout ce qui se déploie pour toi. Ne cherche pas quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que dans ce cas, tu seras toujours subjugué par ce que tu ne comprends pas. Parce que l'ignorance est grande en toi. Et cette ignorance n'aime pas être ignorant. Donc, il y a quelque chose en toi qui dit « je veux savoir ». Mais quand tu veux savoir et que tu ne peux pas savoir, alors tu inventes. Tu inventes quelque chose pour te réconforter de ne pas savoir. Et là, tout le processus de la pensée se met en route. Et tu deviens un penseur. Tu deviens celui qui pense. Et celui qui pense ce qu'il imagine ne voit pas la réalité. La réalité, c'est que tout ça est là. C'est un émerveillement. L'émerveillement se produit quand tu acceptes les faits tels qu'ils sont. Et tu acceptes d'embrasser la beauté. Tu acceptes de jouir de tout ça. Sans même te demander d'où tout ça vient. C'est le fait de découvrir à chaque instant qui est intéressant. Tu découvres. Et découvrir, c'est... Il faut que tu sois libre pour pouvoir découvrir. Mais si tu es occupé à savoir, à comprendre, à douter, à vouloir mettre un but sur tout ça, tu seras perdu. Parce que ça, c'est ce que le doute, l'ignorance fait naître en soi des pensées. Mais quand il y a émerveillement face au beau coucher de soleil, face au rire de l'enfant, face à l'oiseau qui prend son envol, et que tu vois juste
naturellement, tu es joyeux, alors ça, c'est la vie. La vie est quelque chose qui est, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et il s'agit de surfer avec elle sur tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le vouloir. Il n'y a plus une nervosité en nous pour savoir d'où vient tout ça. Toute cette histoire de vouloir savoir a été nourrie depuis des générations pour mettre en fait de l'huile sur le feu, alimenter la flamme du savoir, la flamme de celui qui veut savoir. Et depuis des générations et des générations, cette culture est rentrée dans les mœurs et nous pensons qu'on doit savoir. Nous avons nos écoles qui nous enseignent, on doit savoir, on doit réussir, on doit avoir quelque chose qui est différent du lot commun, qui dépasse ce que nous savons. Mais en fait, quand tu regardes bien, nous les humains, on ne sait rien. On ne sait rien. Et tout ce que tu sauras te demandera encore davantage d'efforts pour pouvoir savoir encore plus. Et chaque jour va se lever avec son lot d'incertitudes, avec son lot d'ignorance. Mais être là, ça veut dire que tu es tout ça. Tu as accepté d'être présent. Et cette présence, c'est un émerveillement. L'émerveillement de la vie. La vie qui se meut d'instant en instant et qui ne demande rien, qui n'attend rien. Et cela est la joie d'être. Rien d'autre.